Et yo les gars, c'est Traki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petit tuto, donc 5 astuces pour améliorer son temps au Business Online 2, les gars, c'est parti. Ok, du coup les gars, on commence avec la première astuce, donc c'est tout simple. Donc là vous allez arriver avec votre start et tout. Vous faites votre start, donc voilà, hop, vous commencez, on va le faire doucement. Quand vous arrivez ici les gars, donc il y a cette pyramide là. Alors il y a une technique, soit vous le prenez comme ça, vous pouvez l'éditer direct du coup, et hop, ça va vous faire passer au-dessus. Mais il y a une autre technique du coup, c'est de passer à travers. Donc vous allez essayer de vous coller à gauche, de modifier ça, et passer pendant que vous êtes un petit peu sur le côté, vous modifiez, hop. Vous voyez que vous ne traversez pas la pyramide, enfin vous passez pas au-dessus. Ouais, donc ça vous fait gagner un petit peu de temps. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu comment on le fait. Voilà. Et du coup il y a un autre endroit où je vais vous montrer, c'est parti. Ok du coup les gars, on arrive donc du coup à deuxième endroit. Donc au deuxième endroit c'est pareil, c'est là on finit les cônes avec les lots dedans. Donc vous ouvrez ça. Et ensuite vous allez arriver ici. Donc au lieu de passer du coup au dessus, vous pouvez passer à travers, je vous montre ce que ça fait. Voilà. Donc vous pouvez ça pour la première astuce. Et du coup la deuxième astuce qui arrive donc justement à cet exercice là. Donc là vous pouvez en général vous ouvrez 3 carrés comme ça, clac vous passez, 3 carrés comme ça. Et donc ça fait perdre un temps fou. Je vous montre donc l'optimal pour gagner du temps, je sais pas si ça se dit. Donc vous ouvrez au dessus les 3 carrés ou en bas si vous y arrivez. Moi je vous conseille les 3 carrés, hop vous sautez là. Vous faites du coup 4 carrés comme ça. Voilà, vous posez un sol. On va du coup edit en triangle comme ça. On va réédit et edit comme ça. Et voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne rapidement. Là que je casse ça du coup, hop. Et du coup les gars ça donne ça. Voilà. Et ça les gars ça vous fait gagner énormément de temps. C'est parti pour la troisième astuce. Ok du coup les gars je vous montre pour la troisième astuce. Donc je vous montre rapidement en accéléré et après je vous fais en ralenti. Donc vous éditez là, 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 là. Et comme ça. Voilà, donc là vous avez même pas commencé votre truc que vous avez déjà tout allé. Vous êtes allé donc du coup à la vitesse maximum. Et attendez je le remets comme si c'était. Hop, voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comme c'était. Hop, on réédite tout. En gros, quand vous allez vous mettre là, vous allez edit, c'est comme ça. En général on fait comme ça. Donc là le problème avec ça c'est que vous vous cognez. En fait, vous vous cognez, du coup ça vous fait perdre votre course. C'est-à-dire que vous arrêtez de courir et ça vous remet comme si vous marchiez, comme si vous trottiniez. Donc la technique à avoir c'est de s'avancer un petit peu. Donc vous commencez à prendre l'edit, il faut s'avancer un petit peu. Parce que si vous éditez là, qu'est-ce que ça va carrément vous bugger. Donc faut pas que vous éditiez maintenant, sinon vous ne pourriez pas passer, vous voyez. Et donc il faut donc s'avancer un petit peu. Dès que vous êtes là, vous allez éditer. En continuant à courir, vous allez éditer ces 3 carrés là, ces 3 carrés là, les 2 carrés qui sont ici, donc passer en diagonale, ouvrir les 2 carrés de gauche, prendre votre escalier, le faire du coup l'éditer comme ça, hop, et vous allez arriver directement là. Après les gars, si vous préférez éditer du coup de ce côté là, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire le dernier truc, mais du coup plus pour passer le début c'est important. Et donc du coup ce que je vous conseille c'est ça vous fait gagner énormément de temps. Bah du coup les gars c'est parti pour la quatrième astuce. Du coup les gars pour la quatrième astuce. Donc il y a plusieurs astuces, j'ai préféré vous en faire une seule. Enfin je vais faire plutôt une récap de plusieurs astuces. Voilà, donc vous avez des boosts. Alors les boosts c'est vraiment le truc le plus important. Je pense que vous connaissez maintenant si vous regardez un petit peu les vidéos du coup des personnes qui font les records du monde. Mais alors le boost c'est quoi? En gros par exemple si on marche on va à cette vitesse là vous voyez. Et si on met un escalier pour se propulser, vous pouvez voir, hop, on gagne du temps. Donc à la fin de la cinquième astuce les gars, je vais vous montrer tous les boosts, où est-ce qu'on peut se boost. Et voilà, donc du coup voilà, si vous voulez voir. Et puis voilà, pour cette astuce là, un petit récap avec ça. Donc je vais vous expliquer comment, par exemple, là il y a un mur qui se met là. Si par exemple je veux edit et que j'ai le menu de construction en main avec bien sûr le mur d'edit, enfin le mur qui nous propose un mur de construire. Si vous appuyez sur la touche modifier, hop, vous allez pouvoir modifier même si vous n'êtes pas sur le mur. Donc ça peut paraître bizarre, mais même si vous n'êtes pas sur le mur, excusez-moi, voilà, vous pouvez quand même edit. Donc vous faites clic droit, hop, vous éditez. Et vous n'avez pas besoin, par exemple, si vous faites ça. Si vous faites comme ça, vous changez de diagonale. Ça les gars, ça vous fait perdre énormément de temps. Faut savoir que le but c'est donc de faire le meilleur score possible. Que là je vais redit comme ça, je sais, c'est pas la meilleure des techniques, bref. Donc du coup, les gars, ce qu'il faut faire c'est que vous ouvrez le menu construction et vous passez comme ça. Et vous pouvez éditer même si vous n'êtes pas le curseur sur le mur. Et voilà. Et les gars ça vous fait gagner un temps ça vous fait gagner pas mal de temps si vous voulez aller plus vite. Voilà. Donc du coup les gars je vous fais une autre petite astuce. Donc on se retrouve pour la petite astuce. Et du coup on se retrouve pour l'autre endroit de l'astuce. Donc voilà. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez fait du coup vos jumps. Alors ce qu'il faut faire les gars, donc quand on prend le bourlingueur, le bouton a dit dans sa vidéo même qu'il ne savait pas pourquoi on tapait celui-là en premier. Alors c'est très simple. À moins que vous vouliez rester statique, même si vous prenez de l'élan,
même si vous prenez l'élan, arriver ici est mieux que ce boost avec un escalier. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En gros, l'astuce sur ça, c'est de tuer celui-là en premier. Ensuite, vous allez vous décaler, vous allez tuer celui-là, 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 et ensuite celui-là. Enfin, ça c'est votre devoir. Mais en gros, je vais vous expliquer pourquoi vous allez devoir tuer celui-là en premier. Donc, si on le casse, par exemple, là j'ai le gun, je le prends, décalé au fur et à mesure, comme ça. Vous voyez que j'arrive juste devant. Donc, alors pourquoi vous me direz-vous, je casse celui-là en premier? C'est tout simple, c'est parce que si vous commencez à casser les autres et que vous arrivez ici, lui on pourra pas le casser. Il faut savoir que la feuille, excusez-moi, bloque les balles. Voilà, donc vous devrez tuer celui-là en premier et vous ne pourrez pas passer tant que vous l'avez pas tué. Donc voilà, faut commencer par le tuer en premier et après tous les autres bots, excusez-moi, avant que vous soyez ici, tous les autres bots sont accessibles, on peut les tuer. Et du coup les gars, pour la cinquième astuce, voilà, donc on arrive ici, il y aura encore deux astuces dans cette astuce là, dans la dernière astuce. Donc quand vous arrivez ici, vous avez fini vos double edits, donc pour monter, chapeau et sol. Voilà, donc ce qu'il faut faire, je vous conseille, en général on passe par là, clac, on coupe. Alors on peut couper, donc on est là, on arrive là, on peut edit là en triangle. On prend cet escalier, on l'édite sur la droite et vous pouvez passer à travers, vous voyez. Et ça vous fait gagner une demi-seconde, voire une seconde. Voilà, et ensuite on finit le truc. Et voilà, du coup, donc on se retrouve sur cette fameuse montée, donc la montée infernale comme l'appelle le bouseux. Alors, il y a plusieurs façons de la faire, je sais. Donc vous pouvez commencer de ce côté-là. Donc maintenant tout cas commencer de ce côté-là parce qu'il a double dit un truc. Si vous n'avez pas le niveau pour faire ça, je vous conseille ma technique. Donc vous pouvez passer à droite, vous modifiez une première fois ça. Voilà, je fais doucement pour que vous voyez. Voilà, vous arrivez. Et dès que vous arrivez là, les gars, il faut edit. Soit vous pouvez faire comme ça, ce qui est un peu dur, soit de cette façon-là. Je vais tuer les bots. Ok, du coup, quand vous êtes là, vous avez edit là. Hop, vous arrivez là, vous faites vos 4 bots. Et ensuite, il faut savoir que, donc, un petit repère. Quand vous avez, vous voyez ça, vous devez partir, du coup, sur la case de droite. Donc, sur les 4 cases, vous devez partir sur cette case-là. Et vous devez, donc, edit, du coup, les 3. Et vous arrivez, hop, face au truc. Et du coup, double edit. Et vous arrivez et vous faites votre score. Voilà, donc sur ce les gars, bah avant de vous quitter, je vais vous montrer les boosts. Et bah sur ce les gars, c'est parti. Ok, du coup les gars, premier boost, donc vous venez finir. Bon là, j'ai fait vite. Vous venez finir du coup vos deux pyramides comme ça. Premier boost, voilà. Donc ça, tout le monde, il est assez connu. Vous devez vous boost avant l'escalier et cette porte. Enfin, entre les deux du coup. Et ça fait gagner du temps. Ok, voilà. Du coup les gars, pour le deuxième boost, voilà, si vous n'avez pas fait la technique que je vous avais dit dans l'astuce numéro 3, vous pouvez faire donc un petit boost comme ça. Vous éditez vos deux trucs là et avant d'arriver là, vous pouvez vous boost avant de partir, ce qui va vous propulser. Donc le problème, c'est qu'il est un petit peu dur à réaliser. Vous pouvez vous boost comme ça, mais il arrive souvent que vous mettiez du coup un autre escalier qui va venir vous gêner. Voilà, donc il est assez risqué ce boost. Et voilà. Ok les gars, donc pour cet autre boost, voilà, vous avez fini votre série de murs et escaliers. Donc vous avez un boost que vous pouvez faire ici, bah vous allez faire votre série, vous pouvez vous boost, hop, clac, et vous devez mettre un sol obligatoirement, car si vous ne mettez pas un sol, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est ça. Vous allez simplement mettre deux escaliers et du coup vous allez vous perdre beaucoup de temps. Voilà, donc c'est parti pour le boost. Ok, du coup les gars, pour cet autre boost, c'est juste avant les escaliers, je vous montre ce que ça fait. Et voilà, donc c'est un petit boost sympa. Je vous montre du coup le dernier boost. Du coup les gars, vous venez de finir votre parcours avec les bots et vous pouvez vous boost juste avant. Donc on va mettre en situation. Hop. Et avant d'arriver, vous pouvez vous boost juste avant rapidement. Double edit et du coup finir votre temps. Voilà les gars, c'était Traki, j'espère que vous avez kiffé. Bah n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce les gars, plein de bisous. Ciao tout le monde.